Bonjour, je m'appelle Pauline Duet, je suis infirmière à domicile. Je viens de trouver une de mes patientes décédée chez elle. Ça va? Pas trop dur? Ça fait partie du métier, je fais avec. Elle n'a jamais quitté Hénard. Elle y est née, elle y travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents. Des mineurs, des métallos, tous. C'est une fille simple, courageuse, intelligente. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime. Elle est mignonne en plus, ça gâche rien. Salut. C'est dingue que ça ressemble à ta grande sœur, toi. C'est pas ma sœur, c'est ma mère. Ah, bon, bah on dirait pas. Tu pourrais venir dîner un soir? Je voudrais te parler. Ah, je lui racontais qu'ils avaient encore cambriolé chez Robert. Qui ça, il? J'ai l'impression qu'il faudrait aller voir du côté de la cité Léo Lagrange. Je te signale qu'ils sont autant français que toi. Ah, bah ça, c'est à voir, ma grande. Hein. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils le sont depuis moins longtemps. Embrasse-moi. Tu vas revoir? J'en sais rien, t'es bien curieux. La gynéco, elle est partie. Maintenant, c'est un homme. Mon mari, il veut pas. On est en France, au 21e siècle. Je vais lui dire deux mots, moi, à votre mari. On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi. Et ça serait sur une liste du bloc patriotique. C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent, proche d'eux. Tu trouves que c'est une fasciste? Elle, c'est pas la même chose. Et puis, c'est une femme. Je veux changer les choses, c'est pas pareil. Tu veux changer quoi avec ces gens-là? C'est maintenant ou jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer. Niquer. Vous saviez? Et bien sûr que non. C'est m'étonnant que ça l'amuse beaucoup de savoir qu'elle était surveillée. Je comprends rien à ce qui se passe. Je vois plus mes enfants, je peux plus bosser. On préfère que vous veniez plus. Et pourquoi je viendrai plus? Parce que ça va devenir chaud pour vous. On est presque au pouvoir. Ça fait 40 ans que je me bats pour ça.